paix et joie du Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et en ce beau matin, je te souhaite la joie du Seigneur dans ton cœur. Je te souhaite de te réveiller avec la promesse de Dieu dans ta vie. Je te souhaite de te réveiller avec l'espérance en Jésus qui ne déçoit pas. Alléluia. Alors, en ce beau matin, où nous sommes devant l'univers entier, où nous sommes devant le monde que Dieu a créé de sa main, nous allons avec le prophète Daniel chanter ces belles paroles où il demande à toutes les œuvres du Seigneur de le bénir. Alléluia. Alors, est-ce que toi, tu fais partie des œuvres de l'Éternel? Oui. Alors, lève-toi et bénis-le avec moi. Amen. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur. Ange de Dieu, bénissez le Seigneur. Et vous les cieux, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, puissance du Seigneur. Bénissez le Seigneur, soleil et lune. Bénissez le Seigneur, astre du ciel. Merveilleux, feu et chaleur. Bénissez le Seigneur, fraîcheur et froid. Bénissez le Seigneur, la glace et la neige. Bénissez le Seigneur, nuit et jour. Vous tous qui l'a donné la vie, bénissez son saint nom. Il vous a réveillé ce matin. Alors bénissez le Seigneur. Il a donné la santé à ta famille. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Voyez toutes ses œuvres. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Alors continue de le bénir. Continue de l'élever. David pouvait dire : mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors ce matin, le Seigneur te dit, mon frère, ma fille, mon enfant,
Bénis-moi et n'oublie aucune de mes œuvres. Et n'oublie aucun de mes bienfaits dans ta vie. N'oublie également pas mes promesses, car ce que je dis, je l'accomplis. Alléluia. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, continue de bénir le Seigneur. Continue de le bénir à midi. Continue de le bénir à 18h. Continue de le bénir le soir. Continue de le bénir même lorsque tu seras sur ton lit. Alors même si tu n'as même rien à donner au Seigneur, rien à témoigner, continue de bénir le Seigneur pour ce qu'il fera. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné et nous demandons au Seigneur de te remplir maintenant, de te remplir encore de son esprit, de te remplir de force, de te remplir de puissance afin que tu puisses vivre cette journée en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne renouvelée, en tant qu'une personne qui a Dieu pour ami. Alléluia. Alors que la grâce du Seigneur s'attache à ta vie, que la grâce du Seigneur s'attache à tes projets, que la grâce du Seigneur s'attache, alléluia, à tout ce que tu feras durant cette journée et que cela porte beaucoup de fruits au nom de Jésus. Alors bien-aimé, passe une excellente et merveilleuse journée dans la présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.